Yo tout le monde, c'est Monica Nofux, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Merci encore pour vos retours sur tous mes remixes, ça fait extrêmement plaisir. Arigato. Et il y a du lourd qui arrive, donc n'oubliez pas de soutenir avec un pouce bleu, de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux, c'est très important, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, on va continuer la suite de Je regarde vos YouTube poupes, j'en ai reçu plein, mais plein. Et le problème, c'est que j'ai dû trier ça. J'en garde que 3 à chaque fois. Là, franchement, les 3 qu'on m'a donné, c'est du lourd. Il y a 2 YouTube poupes et il y a un remix. Et les 3 là, j'estime, franchement, pour le taf qui a été donné, je suis obligé d'en parler. Sur toutes les vidéos que je vais vous proposer, je vous conseille d'aller mettre un pouce bleu et de vous abonner parce que ces personnes-là sont extrêmement lourdes. Personne ne peut me tester. Numéro 1, je suis à l'aise, hein, ouais. La première vidéo, c'est fait par Luffy62Z. Le titre s'appelle Bordel. Quand on rentre sur la piste. Trop bien monté. C'est cool, ce bordel. C'est pas des affaires. Oh là là, bonsoir, mais qu'est-ce que des canons de ceux qui aiment des verres, des un ou faire le tas des ouf. Voilà. J'aime trop les montages de dessins animés. J'aime trop les montages de dessins animés. Piquez, bande de salope. Piquez, bande de salope. T'inquiète pas. Eh, le petit là, dépose-moi mon appart. Eh, sous-moi la saucisse. Eh, tu vas dans mon camion et on va un client en cours. Mère, c'est des dinosaures. MDR, je suis super. J'aime de voir Tibé. C'est pour la tibé. Ah, t'es con. Parle dans ta gueule, circule. Ouvre ta gueule, de pute. Wesh. Oh, c'est trop bien fait. C'est trop fort. C'est abusé comment c'est ouf. Je suis déçu qu'elle ait que 2480 vues. Elle mérite vraiment là au moins. Allez, mais au moins les 50 000 là. Mais je rigole même pas, c'est un taf de ouf. Elle m'a fait un taf de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Alors le deuxième, c'est un mec que je suis depuis pas très longtemps et que je suis, mais je suis fan de ses vidéos, il me tue de rire, c'est un ouf, c'est un ouf. Et c'est une personne avec qui j'aimerais bien collaborer, donc si tu me vois mon frère, je suis là. Il s'appelle Potatoz et cette vidéo c'est pourquoi dans Harry Potter 1. Pourquoi il y a un générique qui sort de son front? C'est Harry Potter ou Harry Rétroprojecteur? S'il y a le générique de fin qui sort de ses couilles, je vous aurais prévenu. Mais pourquoi il s'appelle Harry Potter? Pourquoi il s'appelle pas David Pujadas par exemple? Ça claque ça! Là c'est sexy. Alors du coup j'ai fait mes petites recherches. Si tu retournes Harry Potter à l'envers, que tu le traduis à partir de l'arménien, eh ben ça donne libérer la crime. Tout est lié, vous faites libérer la crime. Pourquoi il y a Mélissandre qui débarque en moto blanc et qui défie la gravité? Tu es grosse Mélissandre! Ah merde. Comment ça se fait dans un monde où il y a des sorciers et de la magie qu'il y a personne qui a inventé un sort pour éliminer les roues? Le mec s'est fait le masque à la cannelle d'Enjoy Phoenix sur ses cheveux, c'est pas possible. Alors je te vois venir avec ton commentaire. Ouais, t'attaques les roues. Bon écoute, en 2017, on n'a plus le droit d'attaquer les musulmans ni les juifs, donc laisse-moi les roues. L'accès au couloir du troisième étage de l'aile droite. Alors que des enfants de 12 ans volent avec des balais, je dis rien. Que le concierge ait une calvitie monstrueuse. Ok, mais qu'un putain de chat fume 30 grammes de bœuf, je suis pas d'accord. J'aime trop comment elle écrit, j'aime trop. Mais elle se lave pas les cheveux, cette crasseuse. Et tu prends des bains de pisse avec Hagrid le soir, c'est pas possible. Emma, si je la découpe avec ses cheveux secs, que je la retourne, ça fait un imbus de 1000. Oh
Merde. Pourquoi un putain de chapeau décide de notre avenir? Bravo l'éducation nationale! Oh, tu te laves pas les cheveux. Mmh. Oh ouais. Tu seras une prostituée! C'est dur. C'est... Pourquoi il applaudit comme ça lui? Non mais tes mains, on dirait il jette des billets. pourquoi Dumbledore fait des regards bizarres à Harry comme ça là? Je vais te lécher les pieds ce soir. Quitte, j'en ai marre de ce type moi, j'en ai marre. Mais bordel, Harry Potter à l'école des pédophiles. Alors soit Harry a autant de mal à fermer les yeux que Hermione en a pour fermer sa gueule. Génial. Soit il fait des clins d'œil à un mec bizarre en dessous de sa fenêtre. Hé hey Harry, Harry, j'ai des Horcrux cachés dans mon slip. Viens les chercher. Pourquoi Harry est obligé d'avoir des réactions abusives comme ça là? On dirait que le mec s'est pris une éjac faciale dans la gueule. On dirait David Lafarge Pokémon le mec. Putain! Putain de merde! Putain de merde! C'est Ron, il jette un sort à son balai. Et donc pourquoi personne réagit? Le mec il est en train de réciter des incantations. Le mec pourrait dire n'importe quoi, il s'en battrait les couilles. Ouais, donc je suis nazi depuis 35 ans, hein. Je suis féministe aussi depuis 35 ans. D'ailleurs, je suis persuadé que s'il y aurait des smartphones à Poudlard, ces fils de pute, ils auraient pris des snaps. Non, mais c'est toute ma vie, y a Harry Potter qui est en train de mourir. Oh, sexy! Mais tu vas la fermer ta gueule! On est en train de dormir! J'imagine pas l'odeur avec toi dans la chambre! Alors si tu le réveilles en plus! Harry, réveille-toi! Allez! Wow, wow, wow! Le mec s'est pété la clavicule! Non mais comme il s'est retourné le mec! Eh, t'es pas un siège de The Voice hein, calme-toi! Je te veux dans mon équipe! Il est fou ce type là. Oh, mais il est malade ce mec. On est à Poudlard ou dans une église de prêtres là? Je vais te mettre sur la voie. Mais tu vas le mettre sur rien du tout mon gars. Non mais t'es malade. Vous savez le monstre qui se cache en dessous de votre lit quand vous sortez votre pied là? Eh ben c'est Dumbledore ce fils de pute. C'est lui. Qu'est-ce que c'est? Un dragon? Non c'est un chien connasse. Ah. Ah. Dumbledore m'a éjaculé. Ah, dégueulasse. Tu dois t'en aller. De nombreux... hop 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 là. Alors déjà il y a un homme équitation qui sort de nulle part. Tu m'expliques comment il est musclé comme ça là? T'as une salle de muscu dans la forêt D'ailleurs je sais pas si tu squattes mais t'as le même cul que Kim Kardashian. C'est le bruit de mes propos. Incroyable. Bon, vous pouvez mettre des pouces bleus. Il va me tuer ce type. Oh les gars, je sais pas quoi dire. Allez voir sa chaîne Potatoes, mais bombardez-lui là avec sa mère et proposez-lui, il y a Monu qui veut faire un feat avec toi. Et bref, pour la dernière personne, en fait, c'est un remix. C'est un gars qui s'appelle Linky Tony Beat et il a fait un remix sur Super Connard. Ça part dans un délire un petit peu bizarre. Je vais peut-être m'en aller partir, vous laisser tranquille. Bonne chance avec cette enquête. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux me dire, Tom? Qu'est-ce que tu as signé par là, Tom Marvolo? Là, je vois vraiment pas le point commun avec les autres. C'est peut-être qu'un détail dans le fond, peut-être. Puis dans l'humour, les youtubeurs, ils mourent d'un problème là. Tom connaît. Ça me beaucoup à YouTube, ça. Peur aussi, monsieur. Je commence à avoir peur aussi, monsieur. Ah, merci. Ah, parce que je commençais à croire que, en fait, l'enquête et le mystère, ça allait te sourire. En fait, et de pas mourir. Moi, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Parce que je pourrais vivre encore quelques petites années. Et les petits brouilles, tout ça, on s'en. C'est de la musique, c'est de la parole, et c'est de la parole. Attendez-vous monsieur, je ne suis pas enquêteur de l'extrême.
Je commence à avoir peur aussi, monsieur. Je commence à avoir peur aussi, monsieur. La première est capitale. Écoutez, on va commencer à regarder des vidéos. La première est capitale. Tu as appelé l'Endec. Oubliez pas de participer dans les commentaires parce que vous pouvez m'aider aussi. Je regarderai dans la vidéo d'après. À mon avis, on va en faire plusieurs. Là, on n'arrivera pas à résoudre du premier coup, c'est impossible. Faut que je demande à Tom. Ah, merci. Pas parce que je commençais à croire que, en fait, l'enquête et le mystère, ça allait te sourire. En fait, et de pas mourir. Moi, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je sais que je pourrais vivre encore quelques petites années. Et les petits brouilles, tout ça, on s'en prend. J'aime trop le, cette partie-là. Sur ce, c'est fini les raids. Merci d'avoir regardé la vidéo si t'as tenu jusque là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent jusqu'à une minute. N'oublie pas le petit pouce bleu et nous on se dit à la prochaine pour un prochain remix ou une autre vidéo. On verra. Mais en tout cas, il y a du sol. Bring that ass back like a boom boom.